de cul. Miam, 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 miam. Apex NVS. Wouh, Bastien, 10 500 dollars d'inventaire. J'espère que t'as pas rigolé avec les combinaisons parce que je vais te fumer, frère. Avec les Supra, ça passe. Je pense que tu te drogues, frérot. Prends des labyrinthes, tu verras c'est quoi ça passe. Vous voulez échanger vos skins? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MALEXCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Alors, vous, inventaire évalué à 7 000$ avec du rouge dans tous les sens. Là déjà, pour moi, je vous le dis, ça va partir sur une énorme note. Là, je vous le dis, on a que des S tiers en plus. On peut pas faire mieux. En AWAP, on peut pas faire mieux en AK, en M4, en gants, on peut améliorer peut-être. Même le couteau, je pense pas qu'on puisse faire mieux, sauf si on est vraiment un fanatique du rubis, des trucs comme ça. Mais Butterfly Slaughter, pour moi, c'est S tier comme couteau. Prince, X-Ray, Hot Rod. Là, t'as des gants de pilates en toile pourpre. Tu peux upgrade ça en slingshot. Voilà. Moi, je préfère les slingshots. C'est ceux que j'ai. Tu prends ceux-là, là. Ils sont très très stylés sur CS2. Vraiment, les photos lui rendent pas du tout hommage à ces gants-là. In-game, ils sont vraiment beaux sur CS2. Oh, Hot Rod, MP9 Hot Rod avec la... T'as tout le combo, c'est magnifique. Deagle, Soleil Levant, tu peux pas faire mieux en rouge aussi. USP Kill Confirmed, excellentissime. MP7 ici, tu peux changer aussi pour le bout de sport. Enfin, mais bon, t'as préféré celui-là, c'est très bien. Le XM, j'ai le même, excellent. Dragonfire, excellent. Water Elemental, Hémoglobine, t'es au max. Hein. P2000, je préfère l'Impérial que celui-là. En plus, t'as des petites cicatrices dessus, il est vraiment stylé comme ça. Perso, j'aime bien celui-là. Je sais pas ce que toi t'en penses. Mais moi, le P2000, j'irai sur le Impérial comme ça. Parce qu'en fait, il est rouge et or, tu vois. Il a vraiment des reflets un peu et tout. Il est vraiment beau gosse. Il est moins cher en plus que le tien, je crois. Et il irait bien avec ton inventaire. Avec ton soleil levant, tu vois. Il est un peu comme ça et comme ta X-Ray, tu vois. T'as un peu ces délires de reflets, tu vois, comme ton XM. Et donc, pour moi, le P2000, tu devrais peut-être songer à te l'acheter celui-là. Il est vraiment pas mal. Pomme d'amour ici. Tu peux t'acheter un Mac 10 aussi, pomme d'amour. Il est où? Ouais, tu dois l'avoir, je pense, peut-être, non? Mac 10 pomme d'amour, là. Il te manque un petit Mac 10 pomme d'amour, je vois. On est très, très bien. 5-7, non, t'as tout. Ah bah, il est là, le Glock, il est là. Le Nova, il est là. T'as tout en rouge, frère. C'est 10 sur 10 l'inventaire. En réalité, je te mets 9. Je te mets 9. Pourquoi? Parce que je suis un hater. Que ces gants. Je pense que les slingshots sont meilleurs. Overall. Et pour moi, tu pourrais avoir les slingshots très facilement. Tu pourrais avoir le P2000 que je t'ai dit. Bon, ça rajoute un peu. Mais si tu préfères celui-là de P2000, t'as le droit aussi, tu vois. Un petit Glock pomme d'amour. Il te manque un petit Glock pomme d'amour quand même. Ouais, il manque un petit Glock pomme d'amour là. T'as le Water Elemental. Mais je pense qu'il te manque le Glock pomme d'amour quand même. Parce que t'as quand même tous les trucs bien rouges. Pour moi, c'est 9 sur 10, potentiel 10 sur 10. Potentiel 10 sur 10 si tu me prends des gants de zinzin. Ouais, juste des gants de zinzin, quoi. Tu peux améliorer un peu tes gants, je pense. Allez, si tu fais vraiment le richou, tu me prends un deuxième cut. Tu vois, un stiletto slaughter à 500 balles. C'est top tier. Avec les slingshots et tout, tu verras que t'auras genre un couteau d'un side, un couteau d'un autre side. Comme ça, tu restes en full raid. Mais tu vois, tu fais vraiment le riche. Tu vois, où tu prends une deuxième paire de gants, tu vois, tu peux prendre les bandages, carnage. Tu vois, c'est là, tu vois, le 10 sur 10, c'est vraiment quand tu flexes. Mais là, t'as que du S tier, de toute façon. Ah ouais, tu peux pas faire mieux. Couteau, tu peux pas faire mieux. AK, tu peux pas faire mieux. Hog, tu peux pas faire mieux. Deagle, tu peux pas faire mieux. MP9, tu peux pas faire mieux. USP, pareil. Sauf si tu le prends en stat track, etc., par exemple. Mais pour moi, bah, y a pas mieux que le kill confirmed avec le traitor en rouge. T'as la M4, tu peux pas faire mieux non plus. P250, tu peux pas faire mieux non plus. XM, tu peux pas faire mieux. Scout, tu peux pas faire mieux. Donc ouais, t'es dans le S tier. Hein. Donc t'es un grand 9 que je te mets et tu tapes un 10 si tu m'améliores 2-3 trucs comme ça, en flex. Alors, Yoni, 6 000$ d'inventaire, on arrondit un peu. Je vois déjà de la petite Miam Miam Hydra du désert. J'aime beaucoup. Alors, qu'on est sur un pattern. Tier 2, messieurs, dames. Tier 2, on est sur une Blue Gem. On va aller inspecter ça. Oh là là, on a un homme de goût ici. Yoni est un homme de goût. Oh, bordel de cul. Miam, 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 miam. Apex NVS 2015. L'année du championnat qui gagne à Cluj. Dommage, parce que t'as une DreamHack. T'as le DreamHack 2015 et il gagne Cluj, celui avec l'étoile. Mais vas-y, on se souvient quand même que NVS 2015 Apex, meilleur entry au monde avec Freiburg. Et donc, moi, je valide. On a un titan
Exceptionnel en deuxième position. La troisième position, tu l'as laissé clean. Bon, je sais pas dans quel sens vous. Bon, normalement, c'est de gauche à droite. Mais position 4, Apex. Position 3, Titan. Position 2, rien du tout pour bien kiffer le Blue Gem. Donc en deuxième position, t'as laissé tout clean pour bien qu'on garde le Blue Gem et tout machin. Avec tout ça, je valide à fond. Et on a un glitter diamant 661 pour ceux qui ont la ref. Donc j'aime beaucoup. AK. Estière de zinzin. Après, si t'as des énormes testicules comme moi, mais ça, voilà, c'est pas pour tout le monde. Tu peux avoir. Oui, chez Lou Monaka. La numéro 1. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde pareil. C'est le flex. C'était le flex time. La pénalité de 7 jours. Ah, ben ça, c'est CS, frère. Heureusement, il y a Face It. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? On a des fades en 0-13 de flotte, excellentissime, avec Nomad Fade, validé à fond. Le Daryl Miami pour aller avec Rolex en or, fade, gant rose et tout, j'aime beaucoup. L'Hydra avec en plus un Fennec Fox, donc ça, ça va très très bien ensemble, mais c'est jaune. Là, monsieur, faut du Tiger tous. Non, non, en vrai, c'est bien. Mac 10 Fade, M4 Horus, dans les côtés un peu or, beige et tout, donc ça va très bien avec ça, et ça, c'est très très bien. Blue Gem d'un côté, je valide. Ça, c'est de la merde, faut dégager. Ça, c'est de la merde, faut dégager. Autant te prendre d'autres skins que tu peux upgrade. Un USP, tu vois. Il te faut un USP Traitor là. Là, il te faut un USP Traitor. Bon, t'as ton USP tout rouge avec des gold et tout, Vitality. Je sais pas si t'as une valeur sentimentale ou quoi. Mais là, si tu prends un USP Traitor, c'est pas mal parce que ça va un peu dans le ton du Phoenix Fox et du Hydra où t'as de l'or et du rouge et de la brillance dedans. Donc, moi, j'aime bien. Les Mac 10 Fade, etc. C'est bien parce que t'as le Nomad Fade et les Grand Fade, donc je valide. Le Imperial, pareil, très très bien avec des Fnatic en plus. Ok. La M4 Hyper Beast va très bien avec tes gants, donc je valide. Et l'AK, tu vois, donc M4, AK, t'as un peu les tons bleus. Là, t'as du bleu et du jaune en gros, donc c'est cool. Te faudrait un Tech 9 Injector, USP Cyrex, bah, c'est poubelle ça, faut pas du rouge là-dessus. Ou alors, peut-être tu joues avec la M9. Peut-être que c'est parce que tu joues avec la M9. Tu joues avec la M9, dans ce cas-là, ouais, tous tes setups rouges, je valide. Mais si tu joues pas avec les M9, c'est carton rouge. Il faut changer 2-3 trucs. P250, c'est une catastrophe là, ton P250. Bon, je sais que t'aimes Apex là, mais non merci. Là, il faut P250 Undertow pour aller avec le bleu, si tu veux aller sur les tons bleus. Ou alors des P250, comment ils s'appellent? Ouais, ça, bon, ça, là, t'es un giga chad si tu prends ça, parce que ça, c'est incroyable. Le Undertow, c'est celui-là, tu vois, pour aller avec ta Hyper Beast, tes gants fade. Et si tu veux aller juste dans des coins un peu jaunes et tout, avoir ça. Non, c'est de la merde. Là, je suis en train de dérailler complet. C'est le Mendy. Ouais, c'est celui-là que je cherchais. Le Mendy, comme ça, pour 10€, il irait très bien avec ta Hydra. Tu vois, ta Hydra et tout machin. Et tout, tu vois, le Fennec, Gold, tout ça, ça irait très très bien avec. Donc, t'as quand même 2-3 trucs à améliorer. Tu vois, pour le coup, t'as des pièces de zinzin, mais t'as quand même des lacunes et des carences sur 2-3 skins. Famas, il te faut un commémoration, tu vois, il te faut un commémoration tout en or. Le Galil, il te faut un Shatterbox, tu vois, il te faut celui-là. Il te faut celui-là de Galil. Même en Battle Scared et tout, on s'en fout, tu vois. Tant que t'as la colorie, c'est très bien. Pour 10€, tu vois, tu l'as, quoi. Donc Galil, tu changes. Famas, tu changes. USP, faut que tu changes. 5-7, faut que tu changes. P250, faut que tu changes. T'as quand même 3-4 pièces à changer. Hein. Glock, c'est de la merde. Ça, tu dégages aussi. En Glock, y a quoi qui irait avec tes trucs, là? Tu prends le franc-tireur comme ça. Mon fade serait incroyable pour aller avec ta collection fade. Mais le laiton, t'as le laiton aussi. Là, pour qui serait sympa. Le Anubis là, pas mal. Tu vois, si tu restes dans tes tons un peu jaune, doré, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal, je pense, pour ton inventaire. 5000 d'inventaire, il y a quand même 2-3 lacunes sur des petites pièces, tu vois. Pour 5000 balles, là, pour 100€, tu te fais vraiment des. Le best 5-7, le best USP, le best Famas, le best Galil. Et en vrai de vrai, ça, ta collection ne serait pas du tout pareille. Quand tu sortirais tes skins à chaque fois, ce serait vraiment genre S-tier de ouf. Alors que là, t'as des pièces qui servent à rien. Genre là, ton couteau, tu vois, tu peux le dégager et tu l'échanges contre plein de skins que je t'ai dit. Crois-moi, tu y gagnerais sur le long terme. Parce que ça, ça va jamais prendre de la valeur. L'acier de Damas, on dirait quelqu'un se l'est enfilé dans le cul, il l'a ressorti. Il est immonde de ouf. La Blue Gem, par contre, je te le dis, elle est incroyable. Pattern 969, dans les tiers 2, c'est une des meilleures. Et en plus, t'as un craft de zinzin dessus. Ça, faut que tu gardes. Ça prend de la valeur. Et j'espère que tu vas la revendre, genre hyper cher de ouf. Les gants fade sont très bien. L'Hydra, c'est. Vas-y, frère. Elle est trop belle. T'as 0,9 de flotte en plus, donc c'est très très bien.
Donc tu vois, t'as M4 Horus. Moi je l'aime pas, mais en réalité avec ton craft, il est ouf. Tu vois, avec le Fennec, la Hydra, tu vois, ce combo là, il est ouf. Tu vois, il est oufissime. Je pense même que tu gagnerais à vendre. Bon, j'exagère peut-être, mais à vendre tes gants et ton couteau. Et même la M9 là. Et prendre des Omega, comme moi, avec une M9 Tiger Tooth. Parce que si t'as une M9 Tiger Tooth et des Omega pour une Hydra, un Fennec, une Horus, une AK bleue comme ça, tu peux te prendre une Injector, t'as une full Injector jaune pour jouer avec et tout, ça serait dingue de dingue. Ça serait vraiment genre oufissime. T'aurais un combo, t'sais, full gold, full jaune, un peu comme moi, t'sais, avec la gold arabesque et tout. Et moi, je trouve le jaune, il ressort trop bien sur CS2. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Fade avec un Nomad Fade, c'est incroyable, je te le dis. Donc je valide à fond. Juste, je changerai quand même P250, USP, Glock, FAMAS, tout ça. J'améliorerai comme avec les pièces que je t'ai dit. J'ai des skins de transi pour finir l'inventaire et je vais partir sur du jaune goldé. Tu m'as convaincu. Je pense, hein. Honnêtement, je te le dis la vérité. Parce qu'en fait, t'as vraiment des pièces de fou. T'as vraiment genre 2-3 skins incroyables. Et si tu changes les petits skins USP, MP9, machin et tout, pour matcher les couleurs de tes gros skins, là tu verras que ton inventaire c'est 10 sur 10. N'importe qui va regarder ton inventaire va dire waouh, la dinguerie. Alors que tu auras juste un P250 à 5€, tu auras juste un USP à 11€, un FAMAS à 10 balles. Mais en réalité, ça va donner tellement du cachet à ton Deagle qui est incroyable et à ton AWAP qui est incroyable. Moi je le vois plutôt comme ça. Je valide moi le fade et les gants fade, tu vois, avec ton couteau fade. Mais si tu pars sur un 40 bit Tiger Tooth avec des Omega, avec ton AWAP, frérot, t'as l'impression que t'es un Qatari, tu vois. Vraiment, le fait d'harmoniser ces skins, ça te donne tout de suite un autre délire, tu vois. Et pas juste avoir que des gros skins. Ouais, j'ai la plus belle AK, j'ai la plus chère des M4, j'ai la plus chère des machins. Si tu es violet avec rouge, avec jaune, machin et tout, c'est pas ouf. Je suis pas fan. Mais là, dans tous les cas, c'est un peu homogène quand même. Hein, parce que là, t'as la Hyper Beast avec le fade et tout, tu vois, ça va très bien ensemble. Et plus t'as Blue Gem. Hop, hop, hop. M'a rattrapé par le col tout de suite, Bastien. Ouh! Bastien, 10 500$ d'inventaire. J'espère que t'as pas rigolé avec les combinaisons parce que je vais te fumer, frère. Alors, on a un P4 de zinzin. Ça, c'est S-tier. Ouh là 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 là. Top flotte, field tested pour les Omega. Avec du full injector. Avec du Deagle Blaze. Double combo fade. 99% fade ici. Bastien n'est pas là pour blaguer. Jack Error, merci pour le gift, mon frère. Je t'aime. Là, on est très 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 bien. Donc, Medusa. Avec les conducteurs. Bleu, setup bleu avec la M4 ici, le Deagle Cobalt, l'USP bleu royal, le FAMAS Nefty. Ouais, non, là on a setup bleu S-tier. De l'autre côté, on a du setup jaune S-tier de ouf. Bon, le Gamma Doppler, il s'est perdu, tu vois. Autant là, vous voyez, sa pièce la plus chère de l'inventaire, c'est la M9, c'est le Butterfly en P4. Donc c'est un Phase 4. Donc Phase 4, je vais vous montrer ce que c'est du vert. Kryptonite. Voilà, c'est du vert comme ça qui s'apparente à du émeraude. Un émeraude. Mais c'est le P2 et le P4. Il y a des gens qui préfèrent le P4 et des gens qui préfèrent le P2. Mais on est vraiment, comme vous pouvez voir, sur un butterfly de fou. On est vraiment sur un butterfly de fou. Le souci de son inventaire, c'est que, mais il n'y a rien qui va avec. Il n'y a pas de gants qui vont avec là. Il n'y a pas de couteau qui va, enfin de gants qui vont avec. Il n'y a pas d'AWAP qui va avec. Il n'y a pas de M4 qui va avec. C'est de la merde. Là, il est tout seul. Tu vois ton skin, il est un peu esselé. Ça, c'est un peu dommage. Sauf si, bien évidemment, tu joues avec les supraconducteurs, avec ton fade. Bah voilà. Pour moi, là, il y a un problème. Ça, faut que tu dégages. Là, il y a un problème de combo. Là, il y a un problème de combo de couteau-gant. Là, ça va pas. Avec les supra, ça passe. Je pense que tu te drogues, frérot. Prends des labyrinthes. Tu verras c'est quoi, ça passe. Hein, prends des labyrinthes. Prends ça avec ton couteau et tu vas voir c'est quoi, ça passe. Tu vas voir tout de suite la différence. Tu vas dire, ah ouais, j'étais fou. Tu vas dire, ouais, j'étais complètement fou. Les Deagle, tout ça, comme j'ai dit, c'est top. Ça, bon. Ça, Shatterbox jaune pour aller avec tes trucs un peu jaunes, c'est top. Pareil pour le P90 qui va très bien avec ton setup un peu jaune. Ta M4 ici ne me sert à rien. Bon, c'est une très belle M4, mais tu vois la bleue avec la Medusa, le Supra Conducteur, tout ton setup bleu, c'est ouf. Là, je te le dis, prends-toi une M9. En P4 toute bleue à la place, tu verras que ton inventaire ça sera 10 fois plus incroyable. Ah ben t'es maté skin, frère, t'es maté skin. Non, s'il te plaît, va te prendre un couteau en P4. Non mais c'est pas possible. M9 Doppler
phase 4. Non, je vais te montrer sur CS2, c'est pas possible. Prends ça avec tes supraconducteurs et tous tes skins, ta Medusa, ta M4 et tout. Là, t'es tout nu, frère. Là, t'es tout nu, frère. Tu vois une M9 comme ça en P4. Là, t'es un fake saphir, gros. T'es pas là pour rigoler, hein. Tu vois ? En butterfly, oui, c'est possible aussi. Regarde. C'est très dur de battre ça, hein. Mais avec les crânes, comment il a ? Il a juste des gants à 200 balles avec, hein. Regarde le setup bleu, comment il ressort. Là, tu sors ta Medusa, tu sors ta M4 phosphore, tu sors ton Deagle cobalt, disruptif. Ah, c'est pas pareil. Hein. Donc ouais, tu peux prendre un Butterfly P4 et je te le dis, tu me remercieras. Franchement, ça, c'est ouf. Hein. Gamma Doppler, le vert, je le répète encore une fois, les setups verts sur CS2 sont les plus incroyables. C'est le buff le plus oufissime qu'il y a eu sur CS2. Tous les setups Emerald ont pris x5 en prix par rapport à CSGO. Parce que le vert ressort de fou dessus. Mais c'est trop rare, c'est trop dur d'avoir tous les Glock, les Deagle, les machins, tout en vert. Ça coûte vraiment trop cher. Faut une AK Fire Serpent White Lotus pour aller avec. Faut une AWAP je sais pas quoi pour aller avec. C'est trop trop cher. Sachez que c'est trop cher. Alors que le bleu, le rouge, le jaune, il y a quand même des petits skins pas très chers qui vont très bien avec ces couleurs-là et vous pouvez faire des combos de fou. Après, les supraconducteurs sont stylés, mais il faut que tu augmentes ta flotte. Regarde. Voilà. Ça va te faire un truc comme ça. Bon, full bleu. Hein. Full bleu. Ça, c'est un P4 et moisi. Hein. T'as du noir là. Ça, c'est vraiment une merde, son P4 ici. Là. Regarde. Même avec un eau vive, t'es mal combo de zinzin. Là, tu sors ton AWAP Medusa. Tu sors ton Deagle bleu. Tu sors ta M4 Blue Phosphore après ça. Mais frère, t'es sur la lune, hein, je te le dis. Hein. Les gens ils vont dire, waouh, ton combo est ouf. Et tu changes pour 2-3 petits skins en bleu. Mais en vrai de vrai, t'as un inventaire de ouf, frère. Hein, parce que t'as de l'idée, tu vois. T'as tous les trucs en bleu comme ça, ça va très très bien ensemble. Là, je te mets quand même un 8,5 sur 10, frère. Hein. Ah, c'est un gros 8,5. Parce que tu m'as dit que ça et ça, dans tous les cas, ça allait un peu. Parce que c'est un gamma Doppler, donc t'as quand même des tons verts bleutés. Donc oui, je peux comprendre là où tu voulais en venir quand tu disais que le combo là, il est pas mal. Et je pense que tu peux vraiment aller largement au-dessus si tu homogénéises vraiment et que tu harmonises ton inventaire. Voilà, donc Bastien, moi je te mets un bon 8,5 sur 10 quand même. T'as 2-3 points améliorés, mais c'est des trucs de riche, tu vois. Parce que vraiment, t'as des skins de zinzin quand même. T'as vraiment que des skins CS tier.